foi utilisée comme arme de guerre sur nos sœurs, nos mamans, voire des enfants mineurs qui finissent par perdre l'essence de la vie sur Terre. Des déplacements massifs de nos concitoyens et la sécurité sont observés régulièrement. Cette situation, retenez bien, procède fondamentalement d'une malédiction de leadership et de gouvernance qu'il faut exorciser dès aujourd'hui. Car aucun développement économique inclusif ne peut être envisagé de manière durable sans la paix et la sécurité dans l'ensemble du pays. Au terme de ce congrès, chers congressistes, chers participants, des 3 jours, j'ai compris, notre parti a pris la ferme résolution de s'investir à fond dans la recherche des solutions devant résoudre définitivement cette question de l'insécurité à l'est du pays. Mesdames et messieurs les congressistes, au regard de ces gigantesques défis ci-dessus évoqués et la nécessité de manière efficace et durable au profit de l'ensemble de la population congolaise, je vous informe avoir décidé d'accepter votre choix porté sur ma personne comme candidat de notre parti à l'élection présidentielle.